Monsieur Abdelrahman Sidini, bonjour. Bonjour, madame. Alors, on s'achemine vers les élections locales qui se tiendront le 23 novembre prochain. Des préparatifs sont en cours actuellement. Il y a eu révision exceptionnelle du fichier électoral avec retrait de formulaire dès la convocation du corps électoral. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu plus d'intérêt en termes d'inscription et de retrait de formulaire par rapport aux élections précédentes? Oui, l'opération de la révision exceptionnelle, c'est... terminé le 13 septembre passé, donc le bilan provisoire, parce qu'on n'a pas encore les résultats définitifs, on ne peut les avoir que le 6 octobre, mais provisoirement déjà, il y a eu plus de 340 000 dossiers d'inscrits et 213 000 dossiers de radiés, ce qui fait un solde d'un peu moins de 200 000 nouveaux inscrits au niveau du corps électoral. Mais l'opération sera achevée le 6 octobre après épuisement des délais de recours et elle sera suivie d'une révision annuelle qui aura lieu au début du mois d'octobre, donc qui va nous permettre d'assigner encore davantage les listes électorales et peut-être qu'on aura un plus au niveau du corps électoral par rapport à cette révision annuelle. Alors, sur le plan des préparatifs par rapport à cette échéance électorale du 23 novembre prochain, est-ce qu'on peut considérer que vous avez mis en place tout le dispositif électoral pour être fin prêt? Du point de vue, bien sûr, préparatif du côté de l'administration. Oui, toutes les dispositions, aussi bien logistiques, organisationnelles que matérielles, ont été prises pour réussir ce rendez-vous. Donc, tout le matériel électoral est fin prêt pour l'opération. Les documents électoraux ont été acheminés vers les wilayas. Bon, il reste les derniers documents, donc les listes d'émargement et les bulletins de vote qui vont suivre au moment opportun. Mais toutes les dispositions sont prises pour réussir ce rendez-vous et tout est prêt, tout est fin prêt pour les élections locales. Transparence du scrutin sera assurée? Ah oui, bien sûr. Le dispositif légal déjà, il l'assure à travers un certain nombre de mécanismes, notamment la présence de la haute instance indépendante de surveillance des élections avec laquelle nous entretenons d'excellentes relations de coordination. Et ils ont toutes les prérogatives pour contrôler les opérations électorales du début à la fin, ainsi que nos partenaires politiques qui pourront contrôler l'opération à travers la surveillance qu'ils vont opérer le jour du scrutin. Donc il y aura 5 observateurs au niveau de chaque bureau de vote, ainsi que des représentants au niveau des centres de vote. Donc je ne vois pas vraiment comment il ne peut pas y avoir une transparence de ces opérations. Assurer la neutralité de l'administration par rapport à cette échéance électorale, c'est aussi important? Absolument, parce que le personnel d'encadrement, c'est des citoyens avant tout. Donc l'administration va se retirer le jour du scrutin pour laisser aussi bien le personnel d'encadrement que les partenaires politiques jouer le jeu et effectuer cette opération électorale dans la transparence la plus totale. De par les statistiques, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les locales intéressent un peu plus les citoyens par rapport aux autres échéances, par exemple les législatives? Effectivement, les élections locales, c'est des élections de proximité. Donc c'est des listes de candidats qui vont prétendre à des postes qui vont servir le citoyen dans la proximité, dans son quartier, dans sa ville. Et c'est tout à fait évident qu'il y ait un intérêt particulier pour ces élections, comparativement à d'autres formes d'élections, notamment les élections législatives. Mais les élections locales, je suis certain qu'ils vont quand même attirer un grand nombre de citoyens qui vont vouloir affirmer leur volonté populaire et choisir leur maire ainsi que leurs élus qui vont les représenter au sein des assemblées communaux et les assemblées de village. Vous ne craignez pas l'abstention? Non. On ne craint pas un grand taux d'abstention. Comme je l'ai dit, c'est une élection de proximité. Et tout ce qui touche le citoyen dans son quartier, dans sa cité, l'intéresse. Et je suis sûr qu'il y aura quand même un afflux assez important. Alors, lors des législatives, ce qu'on a relevé, c'est que par rapport à la participation des citoyens, il y a eu pas moins de 1 million, voire 1 million et demi de bulletins nuls. Est-ce qu'on peut considérer que ces bulletins nuls sont considérés aujourd'hui comme une forme d'expression, telle que l'avait aussi déclaré à la conférence de presse le ministre de l'Intérieur, que vous allez en tenir compte? Est-ce que vous avez tenu compte? Oui, bien sûr. C'est une forme d'expression qu'il faudrait respecter, mais également, on fait appel au sens citoyen de la population, parce que l'abstention, bien qu'elle soit une forme d'expression, cela ne dégage pas la responsabilité du citoyen par rapport à son pays, à sa société. Donc actuellement, on s'achemine vers des élections locales, c'est des élections communautaires par excellence. Donc le citoyen, il a tout intérêt à s'exprimer librement et choisir une élite qui va devoir aider les collectivités locales à muter vers un nouveau mode de gestion de la cité, un mode de gestion économique, rationnel,
qui soit en harmonie avec les suggestions de services publics, notamment l'intérêt général de manière globale. Alors la gestion de la commune intéresse le citoyen. Aujourd'hui, la volonté des pouvoirs publics, c'est de l'impliquer directement dans cette gestion. Comment mettre en place tous les dispositifs qui lui permettent un peu de s'impliquer directement dans la gestion de la cité par rapport aux citoyens? Oui, c'est un dossier très important. Bon, on travaille dessus actuellement. Il ne faut pas oublier que maintenant, avec la révision de la Constitution, la dernière révision qui a été initiée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, la promotion de la démocratie participative, c'est un fait maintenant, c'est une disposition constitutionnelle, c'est une valeur à faire ancrer dans les différents systèmes de gestion qu'on est en train de faire. Donc déjà au niveau national, il y a un grand nombre d'institutions consultatives qui ont été mises en place. Mais au niveau local, donc, on est en train de travailler sur un cadre juridique, un nouveau cadre juridique, qui va intéresser la promotion de la pratique participative au niveau des collectivités locales. Donc c'est un cadre qui se conçoit de la manière suivante. Donc on conçoit la participation en termes de consultation et aussi en termes de participation en poursuivant des objectifs d'intérêt général. Donc en réalisant des projets d'utilité publique en compagnie avec les citoyens et les différentes représentations de la société civile. Donc on va mettre les mécanismes et les outils qui vont permettre cette participation. Bon, l'idée, ce n'est pas de limiter la démocratie représentative qui est représentée par les élus, mais bien au contraire, c'est de la compléter et pour jeter les ponts entre les deux formes de démocratie, donc entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Mais en quoi consiste ce cadre législatif? C'est la révision du code communal et de Wilaya? C'est un nouveau code donc, qui va s'intéresser à la promotion des pratiques participatives au niveau des collectivités locales. Donc c'est une loi, on est en train de travailler dessus. C'est à la fois une charte participative qui va faire obligation aux élus de s'impliquer dans un processus participatif qui associera un certain nombre de citoyens. Donc quand on dit société civile, c'est une nouvelle conception qui ne va pas se limiter uniquement aux associations, mais également à des citoyens auxquels on va faire appel pour soit les consulter sur des questions vitales pour la vie de la cité, ou bien pour les faire participer à la réalisation d'un certain nombre de projets communautaires et au niveau de ces collectivités. Mais en plus de cette charte, est-ce que le code communal et de Wilaya sera révisé également? Ah oui, bien sûr. On est en train de travailler sur un code des collectivités locales qui va intégrer un certain nombre d'outils, de mécanismes, parce qu'on aspire à développer une fonction économique des collectivités locales. Pour nous, une collectivité, c'est avant tout un agent économique, donc qui doit développer de nouveaux réflexes dans la gestion des affaires locales. Et pour nous, la notion de développement local, ce n'est pas une fonction distributive et rentière qui va du centre vers la périphérie, mais bien au contraire, c'est un processus qui doit être contextualisé. C'est un processus endogène donc, qui doit être inclusif et qui fait participer aussi bien la population que les assemblées élues. Et aussi, c'est un processus participatif donc, par nature. Quand sera-t-il prêt, ce nouveau code, et présenté au niveau des instances réglementaires, par exemple le Conseil des ministres, APN et Sénat? Bon, on aspire à le terminer parce qu'on est en phase d'enrichissement et de maturation du texte. Le code des collectivités locales, c'est un texte très important, qui nécessite un effort particulier. Donc on veut le construire dans une nouvelle logique. Donc c'est une logique tout à fait différente par rapport au texte tel qu'il est actuellement. Et on espère pouvoir le présenter au début de l'année prochaine, donc au cours du premier trimestre 2018, si on arrive à l'achever, parce qu'il va nécessiter toute une série de concertations avec les différents partenaires qui sont concernés par les questions de développement local. Est-ce que vous allez aussi participer, par exemple, toutes les personnes susceptibles d'apporter aujourd'hui des correctifs ou des améliorations à ce code avant de son adoption? Par exemple, le mouvement associatif qui a complètement disparu au niveau des collectivités locales. Bien sûr, si on prend la démarche participative et on travaille sur un cadre juridique qui vise la promotion de la pratique participative, c'est tout à fait normal qu'on va adopter la même démarche dans la construction de ce texte et c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah.
Alors, vous parlez bien sûr d'un nouveau mode de gestion de la commune et de la collectivité locale. Dans le contexte actuel, est-ce qu'il est plus difficile de gérer une collectivité locale, sachant que les moyens financiers aujourd'hui sont devenus de plus en plus rares, et d'autant que par rapport au fonds des collectivités locales, qui est doté de près de 100 milliards de dinars, il est aujourd'hui, bien sûr, il a été réduit par rapport aux années précédentes. Il est aux 100 milliards. Bon, le contexte économique, il est ce qu'il est. Bon, les difficultés existent, certes, mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a des potentialités tout à fait particulières au sein des collectivités locales qu'il faudrait prospecter et explorer au maximum. Je pense qu'il y a de nouveaux mécanismes à mettre en place pour permettre justement à ces communes de jouer pleinement leur rôle en tant qu'agent économique et développer des réflexes de rationalité économique dans la gestion de la chose publique, aussi bien en matière de gestion des services publics de proximité que dans le développement carrément de fonctions assez rentables au plan économique et au plan local. Mais est-ce que vous pouvez maintenir aujourd'hui ce fonds des collectivités locales? Et combien on en a consommé par rapport à l'exercice actuel? On va le maintenir. C'est un fonds qui est bien géré, il se porte bien qu'il y ait un tarissement de ressources. Mais il y a des possibilités à travers une refonte, c'est un dossier d'ailleurs qui est en cours, la refonte de la fiscalité locale avec une décentralisation fiscale plus affirmée au niveau local, qui va permettre de prospecter l'ensemble des niches et gisements au niveau de la fiscalité locale et qui vont pouvoir financer à nouveau ce fonds, cette caisse de garantie de solidarité des collectivités locales. Et je suis sûr qu'on va dépasser cette difficulté facilement avec toutes les possibilités, toutes les opportunités qui s'offrent à nous par rapport à cette gestion. Combien on a consommé? Un peu plus de 100 milliards ou moins de 100 milliards de dinars contenus dans le fonds? Plus de 100 milliards de dinars. Mais je pense que ce n'est pas là le problème, c'est d'essayer de renflouer un peu les ressources de cette caisse et la préparer pour des fonctions productif de revenus. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à certaines collectivités, qu'il y a une répartition équitable de la richesse entre les différentes collectivités locales du territoire national? Bon, les disparités entre collectivités existent. Bon, maintenant, il ne faut pas prétendre à ce qu'il y ait un équilibre total entre toutes les collectivités locales, mais il faut valoriser les potentialités de chaque collectivité. L'agriculture n'est pas fiscalisée par rapport justement à certaines collectivités qui sont à vocation 100% agricole. Comment elles vont faire? Bon, ils ont d'autres possibilités. Travailler dans l'agricole, ce n'est pas uniquement fiscaliser l'activité agricole en elle-même, mais il y a des activités dérivées sur lesquelles on peut produire de la fiscalité au niveau de ces communes. Alors, M. Abdelhamed Sidini, moi je voudrais revenir un peu sur les prérogatives des élus dans la révision du code communal qui sera présentée pratiquement par rapport à votre déclaration dans la première partie de l'invité de la rédaction, début de l'année 2018. Est-ce qu'il contient aussi plus de prérogatives pour les élus locaux? On a l'impression qu'ils sont plombés par l'administration. Bon, plombés, je ne vous le fais pas dire, parce qu'il y a quand même des dispositions qui ont permis aux élus d'avoir des prérogatives certaines en matière de gestion des affaires de la commune. Néanmoins, le prochain code, il va approfondir encore plus la décentralisation et va permettre aux élus locaux de jouer pleinement leur rôle. Bon, en face, bien sûr, il y aura le principe de redevabilité. Donc, on va accorder aux élus locaux toutes les prérogatives dont ils en auront besoin pour administrer librement leur collectivité. Et de l'autre côté, donc, en face des prérogatives, donc il y aura la responsabilité, le principe de redevabilité sera mis en jeu avec toutes les règles de transparence dans la gestion des affaires locales. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement aujourd'hui par décentralisation des prérogatives quand on sait que certains élus ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas l'aval, par exemple, des WAI? Et c'est le cas actuellement dans certaines collectivités, beaucoup de collectivités locales. L'aval, je ne pense pas, parce que le code actuel, le code communal, par exemple, il limite les cas de délibération devant recevoir une validation de la part du voli. Donc, seulement les délibérations qui ont une incidence financière particulière, qui sont soumises à cette procédure de validation, mais toutes les autres délibérations qui ont trait au développement local ne sont pas soumises à cette validation. Donc, il y a uniquement une transmission auprès des voli,
quand il y a dépassement par rapport à la réglementation ou bien à la législation en vigueur, donc c'est à ce moment-là que le wali intervient pour dire que telle délibération, elle est contraire à telle disposition. Mais pour le reste des délibérations qui sont conformes à la réglementation, donc ils ont toute latitude à les exécuter et les mettre en œuvre. Maintenant, l'idée, c'est de renforcer un peu les prérogatives de l'Assemblée communale dans le sens où ils auront plus de marge de manœuvre pour l'initiative économique. Donc, tout ce qui a trait au recouvrement des recettes, aussi bien fiscales que patrimoniales, sera du ressort des collectivités locales, ainsi que tous les projets d'utilité publique ayant une valeur ajoutée au plan économique aussi pourront être initiés et mis en œuvre par les collectivités locales de manière libre et sans aucune restriction. Donc l'initiative sera toute ouverte aux élus pour développer leur cité en toute responsabilité et en toute transparence. Alors, mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les assemblées communales sont composées de différentes couleurs politiques. Il est arrivé parfois qu'il y ait des malentendus, donc il y a blocage de la gestion de la collectivité locale. Comment aujourd'hui mettre en place des mécanismes pour éviter ce type de situation? Je pense qu'une partie du problème a été déjà réglée avec la loi organique relative au régime électoral. Maintenant, le prochain PAPC, c'est le tête de liste de la liste majoritaire. Donc il n'y aura pas de problème par rapport à cette préoccupation. Et je pense qu'il y aura moins de dissensions et de conflits internes au sein des assemblées. Et on va renforcer cette tendance à travers le code des collectivités locales qui va délimiter avec précision le périmètre d'intervention du PAPC et celui de l'assemblée à travers des relations fonctionnelles très, très précises pour éviter le continuum dans ces conflits. Et je pense que ça va se régler avec le nouveau code. Mais est-ce qu'il est possible aussi de délimiter le champ d'intervention des walis, par exemple, dans la gestion de la collectivité locale, parallèlement, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas empiètement sur les prérogatives des uns et des autres, qui parfois aussi arrivent à la confrontation? Bien évidemment. Et au gel des activités, au blocage des activités. Si on parle de renforcement des prérogatives des collectivités locales, c'est automatique, donc il y aurait une limitation du pouvoir d'intervention du wali de manière générale. Mais cela ne veut pas dire que l'État ne sera pas présent dans la gestion des affaires locales. Il y aura plus de prérogatives au niveau des élus, mais l'État pourra développer son plan d'action en direction des collectivités locales. Ce qui a été relevé aujourd'hui, c'est que par rapport au scrutin, au mode de scrutin actuel, il y a le scrutin par liste, et souvent le tête de liste n'est pas automatiquement le président d'APC, puisqu'il est aujourd'hui fait obligation aux membres de la collectivité de procéder dans un consensus à une seconde élection. Est-ce que ce n'est pas une seconde élection par rapport au choix des électeurs? Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas depuis... On n'y reviendra plus? Depuis la promulgation de la loi organique relative au régime électoral, où il y a eu un article qui a été supprimé de la loi de 2012, maintenant c'est le tête de liste de la liste majoritaire qui va être président de l'APC. Le choix des électeurs sera respecté? Bien sûr, bien évidemment. Alors, par rapport à cette fiscalité et la répartition de la richesse, il y a des communes qui sont plus riches et d'autres moins riches. Est-ce qu'on va tout revoir par rapport à la répartition de la richesse? Moi, j'ai toujours soulevé le cas de Sonatrach. Vous avez Sonatrach dans, c'est-à-dire le siège social est situé au niveau de Hydra et dans les canalisations, traverse par exemple Hassim Soud ou Regla, etc. Mais c'est la commune de Hydra qui bénéficie de la fiscalité, pour que les auditeurs puissent nous comprendre. C'est l'un des objectifs majeurs des deux chantiers qu'on est en train de mener, le code des collectivités locales et le code de la fiscalité locale. C'est justement de régler ces disparités qui se trouvent au niveau de la gestion fiscale et financière de la collectivité. Donc, au niveau de la fiscalité locale, déjà, c'est doter toutes les communes de mécanismes et d'outils qui vont pouvoir lui permettre d'améliorer sa situation financière. Donc s'il y a une commune qui a une vocation agricole ou agro-pastorale, elle va pouvoir utiliser des gisements fiscaux qui s'adapteront à cette spécificité. S'il y a une commune urbaine qui a des possibilités en matière industrielle, en matière de services, la même chose. Donc il y aura une diversification au sein de cette fiscalité locale
Et c'est la raison pour laquelle on est en train de revoir ce cadre législatif. Est-ce que vous avez des pistes au niveau local qui vous permettent en plus aujourd'hui de mettre en place cette fiscalité locale, par exemple, pour être clair? Bon, ça va être difficile, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va demander un très grand travail. On est en train de mener un travail de fond avec le ministère des Finances dans le cadre d'un comité ad hoc qui travaille déjà depuis 2007 sur les questions de fiscalité locale. Maintenant, on s'achemine vers un nouveau cadre juridique de la fiscalité locale. Et par la suite, on va passer à la mise en œuvre. Et à ce moment-là, on va devoir mettre toutes les conditions nécessaires pour réussir cette réforme très profonde de la chose locale. On y travaille depuis 2016, ça n'a pas encore abouti? Non. C'est beaucoup de temps. Non. 2007, on a déjà réalisé pas mal de choses. La fiscalité locale a connu quand même une évolution. Mais on travaillait beaucoup plus. Elle est de quel ordre? C'est des réaménagements. Bon, en termes d'ordre de revenus, ça diffère d'une année à une autre. Mais c'est beaucoup plus des réaménagements dans le corps fiscal unitaire. Maintenant, on parle d'une décentralisation fiscale encore plus poussée. Et c'est une autre perspective qui s'offre aux collectivités locales par rapport à ce qui se faisait. Donc tout ce qu'on a fait jusque-là va être encore renforcé à travers ce code. La deuxième perspective, c'est la solidarité intercollectivité. Et là, c'est le code des collectivités locales qui va connaître quelques modifications. Mais dans l'étape actuelle, c'est un processus qui est très verrouillé. Oui. Qui ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on va revoir. C'est ce qu'on va revoir à travers les chantiers de réforme qu'on est en train de mener. C'est-à-dire que la commune riche pourrait financer la commune pauvre? Oui. Oui. Et parce qu'actuellement, il y a certaines contraintes d'ordre juridique par rapport au texte actuel, mais on va les revoir de manière à favoriser cette solidarité intercollectivité. La solidarité intercollectivité ne va pas être seulement une solidarité financière, mais même une solidarité en termes de développement. Donc une solidarité dans le cadre des missions de services publics de proximité, par exemple, ou bien une solidarité pour la création d'une activité économique lucrative au profit de la collectivité. Alors le ministère de l'Intérieur gère aussi l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui pour mieux gérer le littoral et l'urbanisme et le développement harmonieux de nos villes? Bon, déjà, par exemple, si on parle de la saison estivale, maintenant, on est dans une logique d'économie estivale. Donc, il y a tout un travail qui va se faire. Il y aura des commissions qui seront installées très prochainement. D'ailleurs, Monsieur le ministre nous a instruit d'installer ces commissions pour préparer déjà les prochaines saisons estivales et puis se préparer à une autre logique de la gestion de ce périmètre estival, de ce périmètre balnéaire, dans une logique totalement économique qui va bien sûr sauvegarder le caractère social et la prestation de services publics qui doit être de qualité et l'accès gratuit à nos plages, mais également ça va permettre d'aménager sous tout ce périmètre balnéaire et l'intégrer dans une dynamique économique totale. La même chose pour les autres périmètres, donc on parle de développement de régions frontalières et qui ont bénéficié déjà de programmes conséquents en matière de développement. Maintenant, il faut inscrire cet effort de développement dans une logique d'aménagement de territoire qui va permettre d'équiper ces portions du territoire national très importantes et les favoriser pour être compétitives au plan économique, parce que chaque territoire a des avantages préférentiels au même titre que l'investissement, que les secteurs d'investissement. Il suffit maintenant de les promouvoir et de mettre en place les outils qui vont permettre le développement de ces périmètres. Alors, des questions des auditeurs, faut-il exiger un certain niveau intellectuel aux futurs élus locaux? Bon, limiter l'âge également. On travaille sur la formation des élus et sur l'amélioration et l'augmentation de leur capacité d'assimilation des objectifs de développement et de gestion de l'affaire locale de manière générale. Mais aller jusqu'à dire exiger un niveau intellectuel, je pense que ça va à l'encontre de la logique démocratique parce qu'il y a un principe constitutionnel. C'est le vote du citoyen qui fixera le vote du citoyen et le droit de se porter candidat au niveau d'une liste. Et on peut restreindre ce droit constitutionnel par une mesure quelconque. N'importe quel niveau intellectuel et pour n'importe quel âge, c'est ouvert? L'âge, c'est il y a quand même des conditions qui sont prévues par la législation. C'est 23 ans pour les assemblées locales. Mais pour le niveau intellectuel, c'est difficile de concevoir une limite
parce que c'est la Constitution qui le stipule, c'est un droit constitutionnel de se porter candidat au niveau d'une liste. Alors c'est pour quand un bureau de doléances pour les citoyens afin de dénoncer les dépassements des élus? Je crois qu'ils existent. Il existe, le bureau de doléances, il existe, et il y a des registres. On ne fait pas attention seulement. On ne fait pas attention, effectivement, mais je pense que la relation administration-citoyen doit être au centre de, des préoccupations de nos gestionnaires au niveau local. Et d'ailleurs, je crois que dans le plan d'action du gouvernement, l'une des actions qui est prévue, c'est de se pencher sur cette relation administration-citoyen à travers un cadre juridique approprié, parce qu'il y a un ancien texte qui va être revu prochainement. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, c'est pourtant aujourd'hui, par exemple, l'intervention des comités de quartier dans la gestion de leur commune. Très prochainement, la notion de comité de quartier va connaître du nouveau, donc ça sera considéré comme une association dotée du caractère d'utilité publique. Donc il y a deux textes majeurs qui vont contribuer à l'amélioration de la contribution de ces comités. C'est à travers déjà la loi organique relative aux associations où il y aura beaucoup de nouveaux dans ce cadre, ainsi que dans le cadre de la nouvelle loi concernant la promotion des pratiques participatives. Même les délibérations sont publiques normalement. Les délibérations sont publiques, il y aura même possibilité pour les citoyens et les représentations de la société civile de demander l'inscription d'un point lors du jour d'une délibération. Donc il y aura déjà des relations entre les instances participatives et les instances délibératives de l'Assemblée élue. Donc c'est une nouvelle logique qui va s'installer dans la gestion des affaires d'une commune et qui va mettre en jeu aussi bien la participation des représentations de la société civile et des représentants de citoyens, ainsi que le fonctionnement normal habituel d'une assemblée élue. L'idée, c'est de mettre en complémentarité les élus avec les représentations de la société civile. Alors cet auditeur qui vous dit, c'est par rapport à vos déclarations, c'est l'idéal qui est proposé, or ce n'est pas la réalité, c'est souvent pas le cas. Est-ce qu'on peut considérer qu'entre les déclarations, les intentions et l'application, il y a tout un pont? C'est la raison pour laquelle on a des élections locales. Donc on fait appel au bon sens de la population et essayer de contribuer massivement aux prochaines élections locales pour faire renverser un peu la tendance et nous aider à réaliser tous ces projets très ambitieux qui ne peuvent être concrétisés qu'à travers une élite qui doit être mise en place au niveau de ces assemblées élues et qui va pouvoir concrétiser tous ces objectifs. Parce que si on va vers une gestion par objectif, on doit avoir les moyens aussi bien humains, organisationnels et juridiques qui vont le permettre. Alors l'Algérie est trop vaste pour être dirigée depuis Alger. Ce système jacobin cause beaucoup d'ennuis à la population. À quand la décentralisation de la décision? Ce qui est vrai, hein, souvent. Oui, c'est... On attend tout, par exemple, du ministère. Rien ne vient des collectivités locales en termes de propositions pour enrichir telle ou telle chose. Et c'est là tout même un le peu... financement. Par rapport au fonds, c'est 100 milliards de dinars dans le fonds, or que vous avez dépensé pratiquement le double des 200 milliards de dinars. On ressent cette lourdeur. C'est la raison pour laquelle les chantiers actuels de réforme travaillent sur le renforcement de la décentralisation. Pour la première fois, on commence à parler de la décentralisation fiscale, bon, le renforcement des prérogatives des assemblées élues, une meilleure relation fonctionnelle entre les instances délibérantes élues et les instances participatives. Donc il y a de nouveaux mécanismes qui vont se mettre en place et qui vont permettre cette décentralisation. Bien sûr, le passage d'un système de gestion qui est un peu versé vers la déconcentration au profit d'un système qui est en faveur de la décentralisation va demander du temps, parce que c'est muté d'un système vers un autre, nécessite quand même un changement de mentalité, des réflexes à approprier, ainsi de suite. Mais ça viendra avec la contribution de tout le monde. L'essentiel, c'est que les outils soient mis en place et par la suite, il y a tout un plan d'action qui doit être mis en œuvre pour permettre et pour favoriser l'implémentation de ces nouveaux réflexes. Mais ce qui est relevé aujourd'hui par rapport à la fiscalité locale, c'est pratiquement 60% de la fiscalité locale qui est reversée au trésor public et dont ne bénéficie pas la collectivité locale. Est-ce qu'on va revoir aussi ce système, par exemple, pour la vignette automobile? Seulement, pratiquement, 20% va directement à la gestion des collectivités locales. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question? Ça ne sert à rien de faire de la fiscalité si elle est reversée au trésor public? Non, il y a un système de péréquation entre la fiscalité nationale et la fiscalité locale actuelle.
Maintenant, il faut dire que la fiscalité locale, c'est un monde qui n'est pas encore totalement exploré chez nous. Je vous donne un titre d'exemple. Pour les recettes patrimoniales, on était à moins de 3% de la structure de la fiscalité. Avec un simple effort, sans aucun aménagement dans le corps fiscal, on a pu passer quand même de 3% à 11% à la fin du premier semestre de l'année en cours. Et on ambitionne d'aller vers 16 à 20% à la fin de l'année. Donc par de simples efforts d'optimisation du corps fiscal actuel. Donc imaginez, quand on va mettre en place un nouveau corps fiscal, donc avec un nouveau cadre juridique, avec de nouvelles niches de fiscalité locale, croyez-moi, ça va changer complètement. Parce qu'il y a des potentialités sur le terrain. Est-ce que vous allez tenir compte de toutes les spécificités de toutes les collectivités, ou mettre, c'est-à-dire un même dispositif qui pourrait peut-être accommoder une commune, pas une autre, en termes de fiscalité locale? Certains ont des richesses différentes d'autres. Bon, maintenant, s'il y a une fiscalité qui s'est mise en place au bout de 20-30 ans, c'est tout à fait normal que maintenant on va s'acheminer vers une décentralisation fiscale qui va s'implémenter progressivement. Donc il peut y avoir des erreurs, un manque de flexibilité dans les mécanismes qu'on va mettre en place. Mais on veillera à ce qu'on les améliore au fur et à mesure et arriver à terme à des résultats probants dans la gestion fiscale. Alors certains aussi vous posent cette question, ils vous disent par rapport à la question de la distribution de logements, c'est les collectivités locales qui établissent les listes et qui sont définies par la DAIRA par rapport à une commission qui a été instituée au niveau de la DAIRA, et quand il s'agit de l'affichage des listes, c'est au niveau des collectivités locales, alors qu'elles n'ont pas, elles ne sont qu'une partie prenante de l'élaboration de cette liste. C'est la raison pour laquelle souvent la protestation est soulevée au niveau de la collectivité. Quel est votre commentaire? Alors non, ça devrait revenir aux prérogatives des élus au niveau local. Je ne partage pas totalement cette réflexion, parce qu'effectivement c'est la commission de DAIRA, mais les communes sont totalement impliquées dans le dispositif de un seul d'examen. Représentant au sein de la commission. C'est le représentant de la commune. Et la DAIRA, c'est un service déconcentré d'une collectivité locale. Donc la commune, elle est le service tout indiqué pour examiner les dossiers de logement. Et je pense que l'opération se déroule normalement. Peut-être qu'il peut y avoir des erreurs, des dépassements parfois et tout, mais je pense que les contrôles qui sont en place actuellement permettent quand même une très grande transparence dans les opérations. La preuve, c'est les grandes opérations de relogement qu'on a effectuées toute l'année. Alors la bonne gouvernance ne peut être sans décentralisation des pouvoirs. On ne peut pas gérer un quartier depuis le bureau de la Wilaya du ministère de l'Intérieur. Quel est votre commentaire? Dernière question avant d'aborder la question du service public. Oui, pourvu que les citoyens se prennent en charge et participent activement dans la gestion de leur cité. Le service public, une priorité également? Une priorité absolue, aussi bien le service public administratif que le service public de proximité. Par rapport à l'administratif? Par rapport à l'administratif, c'est on de nouveaux voit réflexes. Que les collectivités, voilà. C'est de nouveaux réflexes. Les passeports, ce qui n'était pas le cas par le passé. C'est ça, c'est une mutation assez importante qu'on a effectuée au sein du ministère de l'Intérieur en décentralisant ce genre de prestations. Et on va vers plus de décentralisation en allant vers la décentralisation de missions, de réelles missions dans la gestion des services publics de proximité. Alors beaucoup d'élus locaux se sont retrouvés au niveau des tribunaux pour malversation. On l'a vu par le passé. C'est tout à fait normal. La loi s'applique pour tout le monde. Donc quand il y a des dépassements, c'est tout à fait normal qu'il y ait des mesures à l'encontre de ces gens. Monsieur Abdelhamid Sidini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous.